Monsieur le ministre, dans le cadre de la réalisation de la vision du gouvernement qui est de positionner la Côte d'Ivoire au nom de nations émergentes, le ministère dont vous avez la charge a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la stratégie nationale pour le secteur. Un vaste chantier qui contribue, on n'en doute pas, au développement économique et social de notre pays par les importants investissements qui sont faits dans le secteur. Des notes indiquent que votre ambition est de voir le secteur contribuer à hauteur de 4% au PIB. Où en êtes-vous dans cette ambition? Quel est le potentiel minier de la Côte d'Ivoire? Quelle est aujourd'hui la place de l'industrie de la petite mine dans le dispositif? Qu'est-ce qui est fait pour lutter contre l'orpaillage clandestin qui menace souvent l'environnement des populations? Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les journalistes, je souhaite de bons échanges au cours de cette session. Je vous remercie. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à être présent à cette tribune pour présenter à travers vous à nos compatriotes la politique du gouvernement ivoirien qui s'est désormais engagé à faire du secteur des mines et des carrières le deuxième pilier du développement économique et social de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Pour concrétiser et accélérer l'atteinte de cet objectif, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a choisi d'ériger pour la première fois de son histoire institutionnelle une direction générale des mines et de la géologie en un département ministériel exclusivement dévolu aux mines et à la géologie. Fer de lance de ce combat engagé pour une industrie minière durable, rentable, performante et respectueuse de l'environnement, le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, montre au quotidien sa détermination à réaliser les réformes indispensables pour faire effectivement du secteur minier le second moteur de la croissance de notre pays. L'objectif de 4% du PIB à fin 2020, tel que fixé par le plan national de développement, est pour nous à portée de main. Il peut même être dépassé dans l'intérêt bien compris des entreprises, des populations et de l'État de Côte d'Ivoire. En effet, notre pays dispose aujourd'hui de deux atouts clés. Le premier atout, c'est le contexte macroéconomique favorable, parce que la Côte d'Ivoire a des avantages naturels, parce que la Côte d'Ivoire a des infrastructures de qualité, parce que la Côte d'Ivoire est un pays à forte performance économique, parce que la Côte d'Ivoire a des ressources humaines en quantité et en qualité dans différents domaines, parce que la Côte d'Ivoire a une tradition d'économie libérale et ouverte sur l'extérieur, et parce que le climat sociopolitique est apaisé. Le deuxième atout, c'est un potentiel minier diversifié en quantité et en qualité. Tous les experts reconnaissent que 2/3 du pays sont couverts par des formations riches en minéralisation, dont 35% de roches vertes de l'Afrique de l'Ouest, connues pour leur potentiel aurifère qui est avéré. Et vous avez là un tableau qui vous présente que pour le fer, par exemple, nous avons plus de 4 milliards de tonnes de ressources estimées. Pour le nickel, 260 millions de tonnes. La bauxite, 1,2 milliard de tonnes. Le manganèse, 12 millions de tonnes. Le diamant, 11 millions de carats. L'or, 600 tonnes. Le cuivre nickel, plus de 50 millions de tonnes. Et concernant la colombo-tantalite, plus de 300 tonnes. Et ce tableau vous indique également où, jusqu'à présent, on a trouvé ces réserves estimées. Le troisième atout que nous avons, c'est un cadre juridique rénové et attractif, avec de multiples avantages induits,
à savoir une meilleure gouvernance, la préservation de l'environnement et de l'écosystème, l'accroissement des revenus de l'État, le développement local des communautés impactées par les exploitations minières, la rentabilité accordée aux opérateurs privés. Grâce à cet ensemble de réformes, la Côte d'Ivoire a obtenu en 2014 le prix du meilleur pays en matière de réformes dans le secteur minier, et cela en se classant devant la Finlande, le Pérou et la Serbie notamment. Quatrième atout, un engagement fort en matière de gouvernance à travers l'adhésion en 2008 à l'initiative ITIE, et cette adhésion nous a permis de pouvoir reprendre par exemple la production et la commercialisation du diamant dans notre pays qui avait été suspendu. Nous avons cependant des défis à relever à partir du constat que nous avons fait en arrivant dans ce ministère. Et ces défis portent sur le défaut d'infrastructures géologiques et géophysiques, ainsi que sur l'absence de laboratoire national d'études minérales et d'analyses géologiques. En effet, si vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne saurez pas comment le promouvoir et le vendre. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée en quantité et en qualité dans le secteur minier. La transformation des matières minérales que nous n'avons pas encore engagées. Le caractère inachevé de la réforme du cadastre minier. Les difficultés liées à l'exportation des métaux de base, notamment en ce qui concerne les réseaux routiers, l'absence de réseaux ferroviaires et, par exemple, l'absence de quais et de terminal minéralier. Les difficultés d'approvisionnement en énergie électrique de certains projets miniers, bien que nous soyons exportateurs nets d'énergie, il y a au niveau de la qualité des ajustements à faire, souvent en ce qui concerne le secteur minier. L'insuffisance dans l'ouest de la Côte d'Ivoire des infrastructures routières et ferroviaires qui impacte le projet le plus gros que nous avons, le projet de développement minier intégré de l'Ouest. Le caractère informel du secteur de la petite mine, je veux parler là des mines artisanales et des mines semi-industrielles, et puis les ravages causés par l'orpaillage clandestin. Voilà les constats que nous avons faits. À partir de ces constats, nous avons fait certains travaux. Nous avons par exemple créé une brigade. Nous avons par exemple veillé à l'assermentation et à la formation de nos agents. Nous avons par exemple créé des couloirs minéralisés. Nous avons créé un chantier école. Et tout ça, nous avons fait des réformes dans le but par exemple d'introduire aux côtés de la procédure pénale concernant les orpailleurs, une procédure administrative qui nous permet aujourd'hui de confisquer, de saisir et éventuellement de vendre. Quel est le bilan à partir de ces petits changements, mais qui étaient très importants, le bilan du secteur minier au 31 décembre 2019 ? 761,995 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2019, contre 582,298 milliards en 2018, soit une hausse de 30,76%. 136 milliards d'investissements contre 268 milliards en 2018, soit une baisse là de 49%, compte tenu bien sûr de l'approche des échéances électorales qui sont toujours des éléments à prendre en compte. 13 993 emplois directs contre 13 327 en 2018, soit une hausse de 5%. Et au niveau des emplois indirects, 41 800 emplois indirects contre 39 800 en 2018, soit là également une hausse de 5%.
3,435 milliards de francs CFA distribués au comité de développement locaux miniers contre 2,5 milliards en 2018, soit là également une hausse de 34,81%. Et puis 94,5 milliards de francs CFA de recettes fiscales contre 65,8 milliards en 2018, soit là également pour les recettes fiscales une hausse de 43,62%. À fin 2019, concernant les aspects production, la production d'or se fixe à 32,568 tonnes en 2019 contre 24 tonnes et demie en 2018, soit une hausse de 33%. Et à ce niveau, on avait pensé que de 24,5, on allait passer à 26 tonnes. On est passé à 32 tonnes 5. Au niveau du manganèse, on a fait 1 181 803 tonnes de manganèse en 2019 contre 791 911 tonnes en 2018, soit une hausse là également de 49,23%. Concernant le nickel, nous avons fait moins qu'en 2018, puisqu'en 2018, nous avions 889 585 tonnes et que nous en avons fait que 660 144, et soit une baisse de 25%, imputable essentiellement aux pluies diluviennes qui sont intervenues dans l'ouest du pays l'année dernière et qui ont fait que pendant un trimestre, la société n'a pas pu travailler. En une décennie, la Côte d'Ivoire a donc multiplié par 4 au moins sa production d'or qui était de 7 tonnes en 2009 et par 24 sa production de manganèse qui était de 41 000 tonnes en 2011. Nous avons donc, vous reconnaîtrez, ensemble fait des progrès. Quel est maintenant l'état des projets et programmes spécifiques que nous gérons dans ce ministère ? Il y a le système de certification du processus de Kimberley. À la suite de la levée en avril 2014 de l'embargo sur l'exportation du diamant ivoirien, la Côte d'Ivoire a repris la production et l'exportation de diamants bruts dans le respect du processus de Kimberley. À fin décembre 2019, la production de diamants se fixe à 3989,58 carats, contre 5678,30 carats à fin décembre 2018, soit une baisse globale de 42,32%. Un programme de relance de la production est donc en cours avec la SODEMI, qui a intensifié ses travaux de recherche parce que jusqu'à présent dans ce pays, le diamant, on ne l'a cherché qu'en surface, alors qu'on peut le trouver autrement, et c'est à ça que nous allons nous atteler. Concernant le projet de développement minier intégré de l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce projet comprend 4 composantes. La construction d'une ligne de chemin de fer Mans-San Pedro, la construction d'un terminal minéralier au port de San Pedro, l'exploitation des projets miniers du Grand Ouest, notamment le gisement de fer des monts Klaoyo, Montia, Mont-Gao, le gisement de nickel cuivre à platinoïde de Samapleu et le gisement de nickel cobalt de Sipilou Fumbeso. L'approvisionnement également des projets miniers du Grand Ouest en énergie électrique. À cet égard, et compte tenu du fait que nous considérons que ce projet PDMIO était devenu un peu l'arlésienne dans ce ministère, puisqu'on en parle et on en reparle sans que ça démarre, il est prévu d'organiser cette année 2020 une table ronde de bailleurs de fonds pour mobiliser les financements en vue de la mise en œuvre de ce projet qui est un projet majeur. En ce qui concerne la lutte contre l'orpaillage illégal ou orpaillage clandestin, la nouvelle approche de la répression de l'orpaillage illicite repose
D'abord sur la création d'un service dédié, qui est la brigade de répression des infractions au code minier. Nous avions auparavant juste la gendarmerie qui était interpellée pour intervenir. Aujourd'hui, nous avons une brigade. En un an, cette brigade de répression des infractions au code minier a diligenté des opérations de répression dans 27 départements de notre pays, répartis dans 13 régions administratives, avec pour bilan 222 sites d'orpaillage clandestin qui ont été effectivement traités, 139 personnes interpellées et déférées devant les tribunaux, du matériel saisi, dont 139 pelles hydrauliques, 123 motopompes, 51 générateurs, 81 motocyclettes, 27 groupes électrogènes et divers autres matériels et produits toxiques dans lesquels vous trouvez de la drogue. On a trouvé aussi des fusils, on a trouvé des explosifs et on a trouvé des produits comme le mercure, etc. Au plan judiciaire, 14 condamnations ont été prononcées par les tribunaux répressifs, avec pour bilan 57 condamnations à la prison ferme, dont 3 condamnés à 10 ans de prison ferme chacun, 53 condamnés à 24 mois de prison ferme chacun, 1 condamné à 12 mois de prison ferme, des amendes à payer à l'État de Côte d'Ivoire, à la hauteur de 2,720 milliards de francs CFA, des confiscations de fusils, sacs de minéraux, motopompes au profit de l'État de Côte d'Ivoire, des dommages et intérêts à hauteur de 630 millions à verser au ministère des Mines et de la Géologie, des dommages et intérêts à hauteur de 50 millions à verser à l'État de Côte d'Ivoire, des dommages et intérêts à verser à la Sodefor à hauteur de 118 millions de francs CFA, et puis 31 clandestins étrangers interdits de paraître sur le territoire ivoirien, dont 8 Chinois, 1 Togolais et 22 Burkinabés. Un Ivoirien interdit de paraître sur le territoire ivoirien pendant 3 ans, sauf dans sa localité de naissance, et un autre Ivoirien privé de droits civiques pendant 5 ans. Nous avons également dans nos projets le développement de la petite mine. 5 mesures clés ont été identifiées concernant le développement de la petite mine, c'est-à-dire, je le répète, des mines artisanales et des mines semi-industrielles. Première mesure, l'ouverture de 6 nouveaux sites d'apprentissage de l'artisanat minier pour porter à 10 le nombre de chantiers écoles, ce qui nous permettra à terme de former au moins 1 000 artisans miniers par an. Les chantiers écoles, bien sûr, nous les avons introduits lorsque nous sommes arrivés. Deuxième mesure, l'accélération de la délivrance des autorisations d'exploitation minière artisanale et semi-industrielle aux requérants remplissant les conditions prévues par la réglementation minière. À ce niveau également, il fallait accélérer parce que tant que vous retardez, le terrain est occupé par d'autres, c'est-à-dire par les illégaux. La troisième mesure, c'est la réactivation des comités techniques locaux pour éviter les recolonisations de sites. Ces comités sont présidés par des préfets et devraient veiller à ce que les sites que nous dégapissons ne soient pas recolonisés. Il y en a environ 98 qui doivent être réactivés. La quatrième mesure, c'est l'ouverture au profit des artisans miniers de nouveaux couloirs minéralisés après ceux de Daoukro et de Yakassé à Tobrou que nous avons mis en place l'année dernière. En effet, si vous voulez que les gens s'intéressent aux mines, il faut qu'ils trouvent quelque chose. S'ils ne trouvent rien, ils vont retourner à la clandestinité. Donc, nous avons créé des couloirs minéralisés et nous allons en développer d'autres. La cinquième mesure, c'est la mise en œuvre effective des accords de coopération conclus dans le domaine des mines et carrières avec le Ghana et le Burkina Faso. Maintenant, quelles sont les perspectives du secteur minier? Grâce aux réformes engagées depuis 2012 par le gouvernement, la part du secteur minier au produit intérieur brut est passée à 3%
en 2018. Nous n'avons pas encore les chiffres de 2019, mais nous espérons atteindre les 4% qui sont prévus pour 2020. Ce résultat justifie la pertinence de la politique de réforme initiée par le ministère des Mines et de la Géologie, dont la mise en œuvre devrait connaître un coup d'accélérateur avec l'adoption du document de politique minière et de son plan d'action stratégique, outils de guidage et de pilotage qui définiront pour le cycle 2020-2025 la vision du gouvernement, les axes clés de développement et les résultats attendus. En effet, jusqu'à maintenant, ce ministère navigue à vue. Il n'y a pas une politique minière en tant que telle. Le démarrage de la réalisation de l'infrastructure géologique en vue d'améliorer notre connaissance et la compréhension des phénomènes liés à notre sol, à notre sous-sol et au plateau continental de notre pays, dont l'étude de faisabilité a été réalisée par le BNET. Nous avons reçu cette étude de faisabilité avec un peu de retard, mais nous allons nous atteler à réaliser cette infrastructure géologique. Parce que là également, si vous ne savez pas ce que vous avez dans votre sol, dans votre sous-sol et sur votre plateau continental, vous ne saurez pas que promouvoir. Et cet aspect-là s'était arrêté depuis une trentaine d'années dans ce ministère. Le démarrage de la construction du laboratoire national d'analyse minérale, dont l'étude de faisabilité a également été réalisée par le BNET et nous a été remise. Là également, si vous ne savez pas de quel minerai vous disposez, comment vous allez savoir que vendre ? Chez nous, au village, on dit, ne peut acheter l'or que celui qui sait ce qu'on appelle or, sinon il risque d'acheter un autre caillou. L'intensification de la lutte contre l'orpaillage clandestin, la poursuite de la mise en œuvre des 5 mesures clés dédiées au développement de la petite mine, l'adoption et la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la SODEMI. Effectivement, à ce niveau, avec la SODEMI, nous avons beaucoup à faire par rapport à ce que doit être la SODEMI dans notre économie. La promotion du contenu local en vue d'accroître la part des nationaux dans la chaîne de valeur des activités minières, le développement des projets miniers clés et la transformation des matières premières produites, et puis la révision du code minier en vue de favoriser notamment l'exploitation des mines souterraines dans notre pays. En un mot comme en mille, notre souci et notre souhait, c'est de passer de cette direction générale des mines et de la géologie à un ministère des mines et de la géologie qui trouve toute sa place dans l'économie ivoirienne et qui ne soit pas rattaché après, comme la cinquième roue du carrosse, à un autre ministère plus gros. Donc, notre objectif, c'est de transformer aujourd'hui une chrysalide en un beau papillon. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, le code minier limite l'exonération à la première production commerciale, alors que dans les conventions, cette limitation n'existe pas. Pourriez-vous nous éclairer sur cette situation ? La deuxième question, les entreprises minières ont aussi des difficultés à ouvrir des comptes en devise, ce qui engendre d'énormes surcoûts. Pourquoi tant de blocages ? Que fait l'État pour résoudre le problème ? Le code minier qui a été adopté en 2013 fait obligation aux entreprises minières d'investir au moins 0,5% de leur chiffre d'affaires en développement communautaire, en action RSE. Est-ce que cette obligation est respectée ? Qu'est-ce qui fait que malgré tous les efforts déployés avec une brigade et tout ça, l'opage clandestin continue d'avoir la peau dure, notamment quand les sites d'Égypte sont recolonisés et tout ça. Qu'est-ce qui explique cela? Récemment, avec la maladie du coronavirus, les prix de l'or se sont envolés sur le marché international. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Nous respectons toutes les dispositions prévues dans le code minier pour signer les conventions que nous avons avec les différentes sociétés. Et vous verrez d'ailleurs que
par rapport à des éléments que nous avons signés, nous veillons scrupuleusement au respect de ce qui a été signé. Et nous y veillons particulièrement, justement, depuis que nous avons un ministère des Mines et de la Géologie, qui a donc tout son temps pour s'occuper de son travail. Concernant les difficultés à ouvrir les comptes en devises, ça ne peut pas altérer la compétitivité de la Côte d'Ivoire, parce que vous savez que nous sommes dans le cadre de l'UMOA et la politique de gestion des comptes en devises et la réglementation qui tourne autour de cela sont de la BCEAO et sont valables donc pour tous les pays de l'UMOA qui seraient nos concurrents. Maintenant, concernant les 0,5% du chiffre d'affaires, c'est des obligations qui sont respectées. Et vous constaterez qu'on n'a pas dit 0,5% du bénéfice pour qu'on puisse cacher des marges quelque part. C'est du chiffre d'affaires. Et il s'agit généralement de sociétés qui sont cotées en bourse et donc qui ne peuvent pas tricher sur leur chiffre d'affaires. Et pour cela, je peux vous dire, par exemple, il y a 2,5 milliards qui ont été distribués en 2018. Mais à partir des résultats de 2019, c'est 3,5 milliards qui seront distribués aux populations impactées. Et compte tenu du fait d'ailleurs que ce montant s'accélère, ce que nous avons décidé, c'est même d'auditer les comptes des comités de développement locaux miniers afin que nous nous assurions que cet argent va effectivement aux populations, puisque les comités de développement locaux miniers sont présidés par les préfets, comportent en leur sein des élus, et avec des élus, des représentants, des chefs et des populations. Et donc, ce dont nous voulons nous assurer, c'est qu'un petit groupe n'utilise pas ces choses-là autrement que ce qui est prévu et qui est prévu pour la population et pour le développement local. Concernant l'orpaillage clandestin, nous vous avons dit exactement ce que nous avons prévu. Nous avons créé une brigade, donc une brigade de répression des infractions au code minier, qui n'agit pas seulement sur l'or d'ailleurs, parce que vous savez que ça agit autant pour le sable, le gravier, que pour toutes les autres substances. Et cette brigade est composée autant d'agents du secteur des mines et de la géologie que de gendarmes, que d'agents de la brigade des eaux et forêts. L'avantage de la brigade, c'est quoi? C'est que, en dehors d'être plus composite qu'un seul corps qui était la gendarmerie, elle peut intervenir plus fréquemment, puisque c'est nous qui décidons des interventions. Et en plus de ça, elle peut intervenir plus efficacement parce qu'elle a le renseignement. Mais en plus du fait que nous avons créé cette brigade, nous avons créé des couloirs minéralisés. Les couloirs minéralisés, c'est des zones dans lesquelles nos géologues estiment qu'il y a déjà une bonne minéralisation. Nous avons créé ces couloirs minéralisés pour installer ceux qui veulent sortir de l'illégalité comme ceux qui veulent s'adonner à nouveau au secteur des mines et de la géologie. Nous avons créé aussi des chantiers écoles. Là, on forme sur le terrain. Ce que nous leur indiquons dans ces chantiers écoles qui sont gérés par la SODEMI, nous leur apprenons des méthodes douces qui sont respectueuses de l'environnement. Nous avons déjà 4 chantiers écoles. Nous en avions créé 3 l'année dernière. Nous avons lancé déjà le premier à Daoukro pour cette année. Nous avons 6 autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à créer. Et c'est tout ça qui va nous permettre non seulement d'intéresser les Ivoiriens à la chose minière, mais également de sortir les gens de l'illégalité. Et comme en plus, désormais, on met en prison, il n'y a plus de « pardon, excusez-nous, c'est le fils du chef, c'est le frère du chef ». Maintenant, on met en prison. On traduit et on met en prison. On saisit et on vend au profit de l'État. Donc, ce sont des choses qui, avec les saisies, on décourage la prolongation de cette pratique. Pourquoi les sites sont recolonisés?
j'avais indiqué que les comités techniques locaux doivent être redynamisés et remis. Il y en a 98. Et à partir de cela, vous verrez que les sites ne seront pas recolonisés aussi facilement que ça. Le prix de l'or qui s'envole, mais pour nous, c'est du pain béni, parce que ça fait de gros chiffres d'affaires. Et sur ces chiffres d'affaires, non seulement il y a la taxe ad valorem qui est prélevée, mais il y a aussi, concernant les comités de développement locaux miniers, les 0,5% qui sont en fonction du chiffre d'affaires. Donc, quand vous faites un chiffre d'affaires plus intéressant, nous sommes heureux. Et cela d'autant que, quand ils font ces chiffres d'affaires plus intéressants, ils mettent une partie de cet argent dans l'exploration, pour poursuivre l'exploration et savoir s'ils peuvent gagner encore plus. Donc, tout ça est bénéfique pour nous et nous ne pouvons que nous en réjouir. Il y a un internaute qui demande, avec l'accélération de l'exploitation minière, est-ce qu'il y a une politique pour la préservation des ressources minières pour les générations futures ? Quelle est la politique pour la préservation des terres agricoles ? Vous envisagez une table ronde des bailleurs de fonds pour la mise en œuvre du projet de développement minier intégré de l'Ouest. Quel est le montant que vous comptez mobiliser pour ce projet ? Bien. Alors, concernant la politique de préservation des ressources, il faut indiquer que lorsqu'on arrive au stade de l'exploitation, il y a une convention minière qui est signée avec l'exploitant. Cela signifie que nous définissons ensemble les quantités à prélever par an et qui sont compatibles avec les intérêts de la Côte d'Ivoire et les intérêts des populations ivoiriennes. C'est important de le dire. Donc, chacun ne vient pas se dire « j'ai trouvé un filon, je vais enlever telle quantité et puis claquer la porte et partir ». Donc, ce que chaque société doit enlever est défini ensemble et c'est à partir de là que nous nous inscrivons dans la durée. À travers la politique également d'exploration, nous nous inscrivons dans la durée parce que, comme je vous ai dit, ça fait quand même une trentaine d'années que la Côte d'Ivoire n'a pas fait d'exploration pour savoir ce dont elle dispose. Avec cette politique-là, nous allons découvrir davantage de minerais, y compris ceux dont nous n'avions pas connaissance il y a 30-40 ans en arrière, et mettre ces richesses-là en développement, en exploitation, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire arrêter ensemble ce qui est compatible avec la durée, ce qui est compatible avec la préservation de notre environnement, ce qui est compatible avec la préservation des richesses. Nous faisons une exploitation, mais une exploitation juste et durable, en définissant ensemble ce qui doit être prélevé. Maintenant, concernant la préservation des terres agricoles, il y a un compte séquestre. Ce compte séquestre permet de réhabiliter les sites après exploitation. Mais nous allons même plus loin. Nous indiquons à nos parents qui sont dans des zones impactées par les mines, nous leur demandons, pour ceux qui ne travaillent pas à la mine, de continuer de développer l'agriculture et les ressources animales, la pisciculture et tout ce qui va avec, parce que c'est leur manière à eux de gagner de l'argent à partir du développement minier. Parce que partout où il y a développement minier, les prix flambent. Et quand les prix flambent, il ne faut pas s'en plaindre, il faut au contraire considérer ça comme une opportunité pour développer des cultures, pour développer l'élevage et tout ce qui peut, et d'autres activités qui peuvent vous permettre de participer à cette richesse-là. Nous allons encore plus loin, nous nous sommes accordés avec les sociétés minières afin que ces sociétés-là également, dans leur rôle et dans leur responsabilité sociétale, développent avec les populations, soit de l'élevage, soit du maraîcher, soit d'autres types encore d'agriculture, pour permettre aux gens de se préparer à l'après-mine. En prévision de la table ronde, justement, nous sommes également en lien avec le ministère des Transports
parce qu'il avait été indiqué que si le secteur minier tout seul devait supporter le chemin de fer, San Pedro, qui pourrait ensuite remonter avec Odiene et Man, si ça doit être supporté uniquement par les sociétés minières, ça ne sera pas rentable. Donc notre souhait, c'est que justement des sociétés en charge des infrastructures s'intéressent également à ce projet, parce qu'il n'y a pas que le minerai qui va être transporté par le chemin de fer, par exemple, qu'il y a à ce niveau-là. Vous savez que du point de vue agricole, la production a basculé à l'ouest. Et en couplant les produits agricoles avec les produits miniers et tout ce qui doit sortir de l'ouest, je veux dire, la première partie du rêve de la Côte d'Ivoire d'ici à 5 ans, 10 ans, c'est au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, nous devons, nous aussi, État de Côte d'Ivoire, prendre notre part dans ce développement-là, parce qu'un chemin de fer, c'est un élément structurant du développement dans une zone économique. Et c'est en cela que nous sommes en train de réunir tous ces éléments, à la fois d'argumentaire et de chiffrage, pour que nous puissions justement, pour une fois et définitivement, lancer ce projet PDMIO. Il y a des gens qui sont intéressés aujourd'hui au terminal minéralier, mais ils sont les bienvenus parce qu'ils vont prendre un pan du développement de ce PDMIO et nous permettre d'accélérer les choses. La mine dirait, les populations graissent un peu les dents, comme quoi la mine ne leur a pas été bénéfique. Alors, est-ce que vous êtes d'avis avec ces populations-là? Vous avez parlé d'un développement du secteur minier qui est fort aujourd'hui. Sur le terrain, quel est l'impact? Est-ce que les populations sont heureuses? Si oui, qu'est-ce que ces populations ont pu avoir véritablement? Concernant IRE a un comité de développement local minier et je suis moi-même allé installer ce comité de développement local minier et nous avons là-bas remis aux populations des infrastructures, un centre culturel, des écoles, un centre de santé, des forages de puits pour avoir de l'eau potable. Même si sa production baisse ces dernières années, fait face à ses responsabilités en matière de développement local minier. La mine est pratiquement pour trois prochaines années encore en fin de parcours, donc sa production décline. Il va de soi que les populations ne peuvent pas être heureuses comme elles étaient au moment où les choses démarraient. Mais là également, ils sont en phase d'exploration, ils se sont donné des partenaires et nous espérons qu'avec cela, ils pourront faire redémarrer des mines qui sont très proches de celles qui existent actuellement et faire tourner leur usine. Voici ce que je peux dire concernant IRE. Concernant les développements miniers, ce sont les populations qui décident de ce qu'elles veulent et à ce niveau-là, je voudrais vous dire, pendant longtemps, il n'y a eu que des réalisations d'infrastructures. On passe des marchés, on réalise des écoles, des maternités, des centres de santé, on réalise des reprofilages de routes, on fait de l'adduction d'eau ou des forages de puits. Mais on s'est très peu intéressé aux activités génératrices de revenus. Or, c'est important pour que tout le monde bénéficie. Il faut que des activités génératrices de revenus permettent aux populations d'accéder aux infrastructures qu'elles-mêmes se donnent et qu'elles soient à l'aise dans l'utilisation de ces infrastructures sociales. Donc, cela est très important. Donc, en plus des infrastructures que j'ai citées qui sont généralement réalisées, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'activités génératrices de revenus qui sont réalisées à partir des CDLM. Il y a la formation
on affecte une partie de ces fonds à la formation, par exemple, au permis de conduire, à la formation dans tel type d'activité. C'est la population qui décide de ce qu'elle veut. Et donc, il y a la formation qui est payée sur ces fonds-là. Il y a même, j'allais dire, à travers les marchés qui sont donnés en proximité, des entreprises qui prennent plus d'expérience, gagnent plus d'argent et peuvent après aller jouer dans la cour des grands. Tout cela, ce sont les comités de développement locaux miniers qui permettent ça. Pour terminer l'audit que nous allons mener, si ces fonds sont mal utilisés à certains endroits, nous allons faire les corrections qu'il faut et ça permettra aux populations d'être encore plus bénéficiaires. Alors qu'il y a plusieurs niveaux d'exploitation, qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition pour être un orpailleur légal? Et dans la suite, combien d'orpailleurs légaux y a-t-il en Côte d'Ivoire? Malgré les initiatives du gouvernement, l'orpailleur clandestin s'amplifie. À Bondjali, par exemple, la situation n'est pas réduisante. De sorte que l'entreprise Barik, la mine de Tongon, qui voudrait même faire des investissements, bon, ne peut s'engager. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et puis ma deuxième préoccupation concernant le CDLM. On dit que l'entreprise reverse 0,5%. Alors, si je ne m'abuse, je crois que Barik reverse moins de 0,5%. Concernant l'exploitation de l'or, nous avons trois niveaux. Il y a l'exploitation artisanale qui se fait sur des superficies plus petites et qui, en termes de profondeur, s'arrête à 15 mètres au maximum. Il y a le semi-industriel, donc pour l'artisanal, on va jusqu'à 25 mètres. Concernant le semi-industriel, en termes de profondeur, on va jusqu'à 30 mètres et les superficies peuvent atteindre 100 hectares. Et puis, il y a les grosses mines où, j'allais dire, les exploitations sont beaucoup plus grandes. Voilà ce que je peux dire concernant les superficies et les profondeurs. Alors, ce qu'on constate généralement, lorsqu'il s'agit d'orpaillage illégal ou d'orpaillage clandestin, c'est que justement, les gens utilisent des pelleteuses, des motopompes, des générateurs de très grande puissance qui peuvent éclairer tout un village et des produits interdits pour extraire le maximum d'or. Et en plus de ça, ils ne payent rien à l'État de Côte d'Ivoire puisqu'ils ne sont pas connus de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est grave. Mais concernant l'orpaillage artisanal ou l'exploitation artisanale de l'or, vous venez, vous faites un dossier, nos directions départementales et régionales sont là pour ça, vous faites un dossier, tous les éléments à verser au dossier sont connus. Vous faites la demande et on examine cette demande-là et notre administration examine cette demande et vous faites droit ou pas. C'est la même chose pour le semi-industriel, sauf que pour le semi-industriel, on va jusqu'à 30 mètres. Et pour cela également, vous soumettez un dossier. Sauf que pour l'artisanal, il n'y a pas d'étude d'impact environnemental. Au semi-industriel, déjà, vous devez faire une étude d'impact environnemental. Et à partir de ce moment, on peut vous agréer. Et une fois que vous êtes agréé, vous pouvez légalement mener votre exploitation. Et vous avez des contrôles fréquents, mais vous avez obligation, parce que c'est légal, de déclarer ce que vous produisez pour que quand même l'État puisse prélever ce qu'il a à prélever dessus, vous déclarez ce que vous produisez. Les orpailleurs illégaux, eux, ils peuvent, sur une superficie,
faire un mélange d'artisanal, de semi-industriel, puisqu'ils ne respectent aucune règle, en fait. Ils peuvent aller même plus profondément que les 30 mètres qui sont demandés, au point que, comme ils n'ont pas appris toujours des bonnes méthodes, il leur arrive qu'il y ait des éboulements et ils peuvent en décéder sans qu'on sache même qu'il y a quelqu'un quelque part, puisqu'ils n'ont demandé la permission à personne. Alors que ceux qui le font légalement, puisque nous les accompagnons, nous leur apprenons à faire les tranchées et à faire les fouilles et tout ce qui peut permettre d'arriver à l'or. Concernant l'orpaillage clandestin qui s'amplifierait pendant la phase de recherche et d'exploration, les grandes mines utilisent une main-d'œuvre qui peut être informée de ce que, à tel endroit, on a découvert quelque chose. Et entre la phase où on découvre et la phase où on va construire la mine, l'exploration continue. Donc, il se passe un temps. Donc, il y a des gens qui, de ce fait, font des arrangements avec d'autres personnes contre la société qu'ils servent pour venir attaquer le minerai là où on pense qu'il existe déjà. Mais avec l'action de la brigade, nous avons réduit sensiblement l'orpaillage clandestin dans notre pays. Vous m'indiquez que Barrick ne paye pas les 0,5%. Non, ce n'est pas exact. Barrick paye ce que Barrick doit payer et ils savent que c'est la condition sine qua non pour continuer leur activité. Ce que Barrick ne payait pas, parce que ce n'était pas indiqué dans sa convention, c'est la taxe sur la formation. Mais nous nous sommes entendus avec eux pour dire que même si leur projet date de beaucoup plus longtemps, pendant que les autres payent, ils ne peuvent pas être en dehors de cela. Et depuis, Barrick paye désormais la taxe à la formation qui n'était même pas inclue dans leur convention. Un internaute, c'est un bijoutier, qui dit que la Côte d'Ivoire est le septième producteur d'or en Afrique. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire compte avoir un comptoir de vente d'or pour la corporation des bijoutiers? Et pourquoi ne pas créer une école de taille de pierres précieuses pour la formation des lapidaires? Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises pour que, après les saisies, après le déguerpissement des clandestins, on puisse mettre en œuvre des actions pour réduire un peu l'impact des activités des clandestins. Par exemple, en termes d'eau contaminée, en termes de creux laissés, abandonnés, est-ce qu'il y a des initiatives après sur les comités de développement locaux qui contrôlent l'argent qui est utilisé? Je voudrais commencer par la question de l'internaute, c'est une bonne question, parce que cette année même, nous démarrons la construction d'une structure de raffinage d'or en Côte d'Ivoire avec la SODEMI. Nous avons estimé qu'il est important que nous ayons une structure qui puisse raffiner l'or en Côte d'Ivoire. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça nous permet ensuite de servir justement des professions comme la joaillerie et la bijouterie. Le deuxième avantage, c'est que lorsque vous extrayez l'or, il y a toujours des sous-produits. Si vous envoyez ça ailleurs, on n'est pas obligé de vous déclarer ces sous-produits. Nous traitons ça chez nous, nous serons encore plus riches de ce que nous traitons. Et associé à ce projet, déjà au départ et à la conception, justement, une école de bijouterie et une vitrine pour que, justement, nos artisans puissent faire montre de leur qualité et de leur inventivité, de leur créativité à travers cette vitrine-là. Donc ça, c'est déjà prévu et je me réjouis que la question soit posée parce que ça nous permet de dire qu'on démarre cette année même le projet. Également au niveau du diamant, nous avons demandé à la SODEMI non seulement
de faire en sorte que, autant pour l'exploitation artisanale que pour l'exploitation semi-industrielle, nous ayons des sortes d'écoles d'exploitation gérées par la SODEMI elle-même pour que les gens viennent prendre les meilleurs exemples là. Mais nous avons également dit qu'à partir de ce qui va se faire, il faut que justement la SODEMI, associée à des privés qui s'y connaissent mieux, nous aide à ouvrir justement une école de taille de diamant, parce que la perte que nous faisons aujourd'hui sur la taille du diamant en Côte d'Ivoire est trop importante compte tenu du fait que, même pour l'extraction, les gens n'ont pas toujours les bonnes méthodes. La SODEMI les accompagne un peu, mais il nous faut améliorer déjà les normes et les conditions d'extraction pour pouvoir ensuite former dans des écoles ceux qui vont exploiter, utiliser ces produits d'extraction-là. Qui est-ce qui contrôle l'utilisation de l'argent aujourd'hui au niveau des CDLM? C'est que le CDLM a un bureau qui est présidé par le préfet. On installe le comité. Donc, le comité est présidé par le préfet. Il y a des élus, il y a des chefs et d'autres membres de la population. On les installe formellement avec un arrêté. Et on leur indique, justement, leurs droits et leurs obligations. Cela n'empêche pas le contrôle. Donc, chaque année, c'est eux-mêmes qui font les dépenses, rendent compte des ressources, des dépenses, et nous pensons qu'après quelques années, il est bon d'aller voir si tout ce qui nous est dit correspond à la réalité. La réhabilitation des sites. Je vous disais que pour les grandes mines et même pour le semi-industriel, il y a au niveau des opérateurs de l'argent qui est payé pour faciliter et favoriser après la réhabilitation. Au niveau des mines artisanales, c'est à la charge de l'État de faire cette réhabilitation. Mais là où ça fait mal, c'est quand l'illégal vient prélever des ressources sans rien payer à l'État, et que si on veut réhabiliter, on est obligé de réhabiliter avec l'argent de l'État, c'est-à-dire avec les impôts de chacun d'entre nous, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui s'est enrichi sur notre dos. Vous voyez pourquoi la répression est indispensable dans ce cas-là. Il s'enrichit sur notre dos, et les dégâts causés, c'est l'État qui doit venir faire face à ça. Est-ce que vous acceptez ça vous-même? Nous avons choisi, en tant que ministère, le fer de lance du combat pour ériger le ministère des Mines et de la Géologie en deuxième pilier du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Nous avons choisi, dans ce cadre-là également, de satisfaire les besoins et préoccupations de nos populations à travers la contribution au CDLM, qui n'est pas faible, on vous a dit 3,5 milliards pour 2019, mais à travers aussi l'incitation des compagnies minières à faire plus que ce qui est légalement prévu. Et justement, de plus en plus, les sociétés gagnent de l'argent et vont plus loin que ce qui est exigé par la norme des 0,5%. Quand nous serons un peu plus aguerris, je suis sûr que en bonne intelligence et en partenariat avec les sociétés, nous pourrons regarder comment nous pouvons faire plus au profit de l'État de la Côte d'Ivoire et des populations. Nous sommes persuadés que c'est véritablement main dans la main. Et dans le cadre d'un contrat gagnant-gagnant entre les entreprises, l'État de Côte d'Ivoire et les populations, que nous réussirons un développement minier qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est de cette manière que le secteur minier contribuera à la construction d'une Côte d'Ivoire belle, forte, paisible, où il fera toujours bon vivre. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous.